Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors pour le coup, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu déçue. J'avais fait une vidéo et je sais pas, j'ai merdouillé sur mon téléphone. Je suis trop deg, ma vidéo elle est pas enregistrée. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. En fait, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu mon grand épée. Je parle souvent de mon grand épée. Donc en fait, c'est un grand épée. Donc c'est le seul que j'ai et que je possède et que je suis en train de faire. Donc la plus grande taille, donc c'est un 80 par 120. Hop, donc le voici, le voilà. J'ai commencé, hop, un petit peu. Donc là, je vous montre la partie que j'ai commencé. Là, j'étais en train de faire du coup cette partie-là. Donc je suis en train de la faire. Je suis déçue parce que j'avais commencé à filmer et ça s'est pas enregistré comme je vous disais. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, 120, il va jusque derrière la table. Voilà, donc celui-ci, les diamants sont dans ma valisette violette que j'avais achetée il y a quelques temps déjà sur Amazon. Hop, voilà. Et donc, je vous mets en pause, j'installe le téléphone sur le trépied, comme ça on pourra en faire ensemble un petit peu. À tout de suite. Hop, voilà, donc c'est reparti, on en fait un petit peu ensemble. Je suis déçue parce que j'étais déjà partie sur 20 minutes de vidéo, j'étais plutôt contente de moi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc en fait, j'ai compris pourquoi j'avais pas de place sur mon téléphone, tout simplement, il n'y avait plus de place, hein. La carte elle était pleine, donc j'ai supprimé des choses, j'ai vidé ma corbeille, etc. Et du coup, je peux faire maintenant des vidéos un petit peu plus longues. Hop! Donc là, je suis dans mon garage. Voilà, donc je vous expliquais en fait que ce DP, je l'ai eu en cadeau à mon chéri pour nos 13 ans de couple au mois de juillet. Donc, vous me direz, j'ai un très bon chéri, et oui, j'en ai un très bon, j'ai pas à me plaindre du tout. Il me suit dans mes passions, il me suit dans ce que j'aime faire, et ça, c'est. Je pense que c'est rare. Donc je suis contente. Contente, très heureuse. Et donc il m'a offert ce DP pour nos 13 ans. Ce qui m'embêtait, c'était la taille du DP, avoir la place pour le faire, etc. Il m'a dit, écoute, on a un garage qui nous sert donc de débarras. On n'y rentre pas la voiture, tout simplement, parce que comme je vous disais, c'est une maison bel étage. Donc le garage est au sous-sol, au-dessus nous avons la pièce à vivre. Donc il y a une sacrée pente à l'extérieur pour descendre la voiture dans le garage. Moi je suis pas trop fan. Ça fait pas très longtemps que j'ai mon permis. J'ai eu mon permis en mars 2019. Donc bon. Pas prête encore à la descendre dans le garage. De toute façon, c'était pas notre objectif non plus. On s'en sert plutôt comme buanderie, comme débarras, comme je vous disais. Mon chéri, il a son atelier peinture de figurines à côté là. Donc, il m'a dit, écoute, fais-toi une petite place dans le garage et prends-toi un grand épée. Donc, j'étais très très contente. Donc, du coup, j'ai installé une table de jardin, hein, tout simplement. J'ai installé dessus une planche qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc, mon chéri qui me l'a donné gentiment. Il s'en servait plus, donc. Donc, du coup, j'installe mon grand DP dans le garage. Et j'y avance sur ce DP petit à petit, au fur et à mesure. Je me prends pas la tête. Si je mets un an à le faire, je mets un an à le faire. Je suis pas pressée. Entre deux, j'aime bien avancer sur des petits DP. Parce que j'avais peur qu'un grand DP tout le temps. Je m'en lasse en fait, tout simplement. Donc du coup, entre deux, je fais des petits DP. Je suis en ce moment sur une Kokeshi rouge en 30 par 30 en diamant rond, et avec je suis aussi sur un DP diamant rond Disney, mais c'est un cadeau donc je le montrerai pas. Voilà, je le montrerai quand il sera terminé. J'ai les membres de ma famille qui sont sur la chaîne, et voilà, comme c'est un cadeau, bah, cadeau veut dire cadeau. Donc vous le verrez une fois terminé. Et une fois offert, bien sûr, à la personne concernée. Je dis pas qui. Voilà.
Donc je vous expliquais aussi que du coup j'avais reçu un colis. Je vous ai fait une vidéo précédemment. J'avais commandé Marie, Mini et Pampan en 30 par 40 en diamant carré. J'ai bien eu les diamants. Par contre, le vendeur s'est trompé dans ma commande. Il m'a envoyé 3 toiles pyjamasques à la place des 3 toiles Marie, Mini et Pampan. J'avais fait la vidéo, une petite abonnée m'avait mis un commentaire en me demandant. Hop, alors je vous reprends, je vous avais mis en pause mon chéri qui est passé chercher quelque chose sur son coin peinture. Donc je vous disais, j'ai une petite abonnée qui me disait pourquoi tu ne demandes pas en dédommagement d'avoir les diamants des toiles pyjamasques. Parce que ça me faisait un peu mal au cœur quand même d'avoir ces toiles à la maison et de ne pas pouvoir les faire. Du coup, je dis c'est pas bête, donc j'ai envoyé un message au vendeur et en fait il m'a proposé que je paie 3 toiles 25 par 30, en sachant que les pyjamas que j'ai reçus des 30 par 40, pour recevoir du coup les diamants. Donc ça me faisait une petite réduction, donc bon, j'ai accepté. Comme ça, je me dis que je vais faire les pyjamasques. Et puis, ben, bon, mon fils est plus trop fan. Hein. Mon fils va avoir 6 ans. Il est plus trop dans la période pyjamasque. Par contre, je me disais que c'était l'occasion de les faire. Et pourquoi pas faire une brocante ou marché de Noël. Essayer de les mettre en vente, tout simplement. Donc, j'ai jamais fait. Ça sera une première. Ça me permettra d'essayer. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà tenté. Voir si ça marche ou pas, etc. Voilà, ça me tente bien de savoir. Donc du coup, en même temps, le vendeur, je lui disais, je suis déçue parce que j'aimais vraiment bien votre boutique. C'est dommage ce petit malentendu avec cette petite erreur en fait de toile. Enfin, rien de très grave, hein, puisque de toute façon, les toiles Marie, Mini et Pampan, je vais bien les recevoir. J'ai déjà eu le numéro de suivi. Ils sont en transit, etc. Enfin, il n'y a pas de problème. Et du coup, il me dit, bah, écoutez, le mois prochain, je devais mettre des nouveautés. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer en avant-première les modèles que je vais mettre. Et si vous souhaitez en commander par avance, il n'y a pas de problème. Donc, bah en fait j'ai repassé commande pour 3 toiles. Donc je ne vous dis pas les modèles parce que je vais vous faire un petit unboxing quand je les aurai reçus. Et par contre il y a un modèle que je ne ferai pas d'ouverture de colis, ça est pour un cadeau de Noël. Donc vous allez me dire que je suis en avance pour les cadeaux de Noël. Bah oui, cette année j'ai décidé de prendre de l'avance parce que tous les ans avec mon chéri on se dit qu'on prendra de l'avance et on ne le fait pas, du coup on arrive à la fin du mois de novembre, milieu décembre, et on se dit, ah, il nous manque encore tel ou tel cadeau. Donc cette année, oui, on prend de l'avance. On prend de l'avance et je pense que ça peut être pas mal, surtout que j'avais déjà quelques idées pour certaines personnes de ma famille. Donc, du coup, voilà. Voilà. Donc celui que je fais, je ne sais plus si je l'ai dit, excusez-moi, hein, je perds un peu la boule. Donc c'est un diamant carré. Diamant carré, je l'ai acheté sur Home Fun Official Store. De mon côté, j'aime plutôt bien ce vendeur du fait qu'il livre rapidement. Excusez-moi, je vous ai fait bouger un petit peu. Il livre rapidement, les toiles sont de bonne qualité. La pose des diamants au niveau carré, moi ça doit faire le 3 ou 4e DP carré que je fais. Et franchement, bah j'adore. J'adore. J'ai rien à dire au niveau de la pose des diamants. Même les ronds, hein, j'ai déjà fait des ronds de chez Home Fun Official Store et franchement, rien à redire. Au top. Pas de rivière sur la toile. Enfin, franchement, j'ai pas de soucis particuliers. Du tout. Donc bon. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos vous plaisent, ce que vous aimeriez voir en vidéo. Prochainement, je vais vous faire un unboxing. Forcément, je vais recevoir un colis, donc je vais vous faire l'unboxing. J'aimerais vous faire aussi une vidéo avec la suite du petit porte-clés que j'ai commencé avec vous.
J'ai une petite lampe aussi à faire en DP, j'aimerais bien la faire avec vous. Je ne sais pas quand ce sera. Hein. Vraiment, les vidéos, je les fais au feeling, quand j'ai du temps. Bah, quand j'ai l'envie, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne me force pas à faire une vidéo si j'en ai pas envie. Je pense que c'est normal. Voilà. Voilà. Je vous parlais aussi tout à l'heure du rangement. N'hésitez pas à prendre mes idées, mes astuces. Enfin, si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas dire, oh, elle a copié, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, du tout. Je vous dis ça parce que quand ma petite sœur a vu ma vidéo, elle fait du DP aussi. Et elle m'a envoyé un message en disant, mais en fait, j'adore ton idée de ranger tes DP en attente dans les boîtes. Elle dit, le jour où tu vas à Action, est-ce que tu peux me prendre quelques boîtes? Et donc je lui ai dit, écoute, on va faire mieux que ça. Quand j'irai à Action, je viendrai te chercher, on ira ensemble. Et puis, si tu veux que je te conseille, il n'y a pas de souci, on prendra ensemble. Et voilà, ça permet de passer un petit moment à deux, etc. Qui était sympa. Et arrivée là-bas, elle me dit, ah, mais ça m'embête, je prends tes idées, etc. Je te copie. Ben, j'ai dit non, non, tu me copies pas. En fait, ça me dérange pas dans le sens où si j'ai fait ma chaîne, c'est pour donner des idées, c'est pour donner des astuces, c'est pour donner des conseils. Donc, si ça vous plaît, faites-le. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour juger et pour critiquer. Loin de là. Si ça plaît, ça plaît. Et c'est tant mieux. Ça me fait même plaisir. Ça m'a fait plaisir qu'elle prenne mes idées. Et voilà. On fait la même passion. Ensemble, donc voilà. Au contraire, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de problème. N'y a pas de problème. Donc, je disais en même temps que je suis sur une Kokeshi rouge. Alors, du coup, vous allez dire vraiment si je me répète, c'est possible, hein. Je sais plus si je l'ai dit sur la partie de la vidéo que j'ai effacée sans faire exprès ou si je l'ai dit sur le début de cette vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Si je me répète, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai attention les prochaines fois. Du coup, je fais une Kokeshi rouge en 30 par 40 en diamant rond. Et je suis également sur un autre DP en diamant carré. Non, diamant rond, pardon. Je fais du carré, du coup, je vous parle de carré. Et c'est du n'importe quoi ce soir. Je pense qu'en fait, je suis fatiguée tout simplement. C'est pas grave. Diamant rond en 40 par 50. C'est un Disney. Je vous dirai pas le modèle exact. C'est pour un cadeau. Donc voilà. Qui dit cadeau dit cadeau. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. J'ai un gros doute si je vous l'ai pas dit au début de la vidéo. C'est pas grave. Sinon, j'ai pas mal de. Donc, j'ai fait une vidéo aussi sur mes DP en attente à la maison. Le souci, c'est que quand j'ai terminé et publié la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer certains de mes DP. Ils étaient restés dans mon tiroir. Donc, vous allez me dire encore? Bah oui, encore. J'avoue, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai acheté pas mal de DP. Là, je vais essayer de faire une pause sur les achats, surtout qu'il y a mon anniversaire à la fin du mois d'octobre. Ça reste entre nous, j'ai déjà des petites idées si on me demande ce que je veux comme cadeau. Donc, chut, ça reste entre nous. Et du coup, bah, je referai une vidéo pour vous montrer ceux que je ne vous ai pas montrés. J'ai des gorgeous. Principalement, c'est les gorgeous que je ne vous ai pas montrés. Ce que j'avais eu en cadeau pour ma fête des mamans. Donc voilà, je referai ça prochainement. Donc je vous disais que au niveau des astuces, rangement, etc., ça ne me dérangeait pas du tout qu'on me copie. J'appelle pas ça copier, j'appelle ça partager une idée. Une idée, là c'est du rangement, ça peut être autre chose, hein, il n'y a pas de problème.
Et parce que, en fait, avant ça, je faisais du coloriage et j'adorais regarder les vidéos du matériel que les gens possédaient, leurs astuces de rangement de matériel, etc. Ça, c'est quelque chose qui me. Voilà, je passais mon temps à regarder ça. Et du coup, je m'étais dit, le jour où je ferai une chaîne YouTube, c'est quelque chose que je ferai, donner des astuces, des petites idées, montrer un peu mon petit coin à moi, etc. Bah, du coup, c'est des choses que j'ai commencé à faire sur la chaîne. J'ai mis du temps à me lancer, hein, parce que moi, du coloriage, j'en ai fait pendant 5 ans, j'ai fait du scrap pendant 6 ans. Et puis, je n'osais pas me lancer, tout simplement. Je suis une grande timide. J'ai un gros manque de confiance en moi, donc ce qui fait que vous verrez pas souvent ma tête sur les vidéos. J'essaierai de temps en temps d'en faire en vous montrant ma tête, hein, comme j'ai déjà pu faire la semaine dernière. Et maintenant que je suis lancée, je commence à apprécier, partager certaines choses. Si vous avez des petites idées de ce que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais essayer. Moi, je suis pas une pro, hein, mais si je peux essayer, je ferai. Voilà, tout simplement. SDP, je dis que j'ai le temps pour le faire, etc. Mais je vous avoue, j'ai hâte et je suis curieuse de le voir fini en fait. C'est un de mes grands DP, des plus grands, hein, parce que la taille en dessous que j'ai, c'est un 70 par 90, donc j'en ai deux que je vous ai montré dans une de mes précédentes vidéos, hein, où je vous présente mes DP en attente à la maison. Donc il y a Aladdin et Jasmine et Pocahontas, donc ça c'est les plus grands. Et ensuite, après, on passe à des 40 par 70, 40 par 60, enfin, des plus petits modèles, mais qui restent grands pour moi quand même, je trouve. Donc voilà. Du coup, celui-là, ouais, j'ai hâte de le voir fini. J'ai hâte, mais je prends mon temps. Je ne suis pas tous les jours sur celui-ci, hein. Comme je vous disais, j'en ai d'autres en parallèle. Donc bon. Donc quand j'ai qu'un diamant à faire, je fais ma fainéante, je transverse pas dans ma coupelle, je plante directement mon stylet dans le pot. Je me dis que c'est. Pas sûr que ce soit vraiment un gain de temps, hein, mais voilà, hop, c'est comme ça que je possède. Un peu fainéante, hein? Mais encore une fois, ça reste entre nous. Donc je disais aussi que de mon côté, je mets les étiquettes sur mes petits flacons. De 1 à. Alors, comme là j'ai 44 couleurs, donc j'ai numéroté de 1 à 44 tout simplement. Pour éviter de refaire des étiquettes à chaque fois. Donc, vous voyez, ça fait partie un peu de la fainéantise de mon côté. Puis, je sais pas, je trouve ça un peu plus simple. Moi j'ai ma feuille de route à côté, certes, mais ça me dérange pas. Donc, voilà, ça c'est ma technique à moi. Comme je dis, c'est chacun sa technique. Chacun sa façon de faire. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger. Chacun travaille de la façon qui est pratique à lui-même, pour lui-même. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Donc là, je fais tout ce qui est couleur, et comme ça, après, il me restera donc le noir à faire.
Et donc aussi, je disais que comme je travaille aussi bien dans mon garage pour mes grandes épées que sur mon bureau à l'étage dans mon salon, pour les petites épées, j'ai du matériel du coup en haut et en bas. Du coup, je me suis acheté quand j'ai commencé le DP une tablette lumineuse chez Action, qui est celle-ci en dessous. Et non, pardon, je suis sur Amazon, excusez-moi. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Et bah, j'en ai acheté une deuxième chez Action pour le salon, du coup, sur mon bureau. Ça m'évite de monter et descendre en fait tout le temps. Je trouve que c'est plus pratique. Comme ça, j'ai du matériel en haut, j'ai du matériel en bas. Et ça, c'est génial. De mon côté, je fais du DP principalement quand mes enfants font dodo. Parce que je vous ai dit que j'ai un petit garçon qui va avoir 6 ans, une fille qui a 13 mois. Donc les journées sont remplies, surtout quand il n'y a pas d'école pour mon petit loup. Donc on fait des petites activités, on sort beaucoup. Bon, c'est un petit garçon qui aime la console, les jeux vidéo, donc on s'amuse parfois. Donc bon. Là, j'étais en vacances, on est un peu sorti. Du coup, je profite le soir principalement en ce moment quand ils font dodo pour avancer sur du DP. Donc soit sur celui-là quand j'ai envie. Quand j'ai 2 ou 3 heures devant moi, parce que du coup je suis en vacances, je profite pour me coucher plus tard. Quand je vais reprendre le boulot, ce sera pas du tout la même chose. Je profiterai sûrement quand il y a l'école l'après-midi et ma fille à la sieste pour faire des petites vidéos. Je pense. Je reprends le travail là lundi, donc aujourd'hui on est le 27 août. Bon. Et en fait, je reprends le travail lundi, mais je fais des horaires soit du matin, soit de l'après-midi. Donc souvent le lundi, je suis du matin, je finis à 13h. Donc quand il sera à l'école, si j'ai le temps de faire une petite vidéo, je pense que ça peut être sympa. Surtout j'ai des petites idées, tout ça. Donc. Je suis pas à la course aux abonnés aussi, ce que je disais dans ma précédente vidéo qui s'est effacée. Donc celui qui aime... C'est super, celui qui aime pas, je le force pas à rester. J'ai cru entendre qu'il y avait des quiproquos, des mauvais commentaires, des mauvais jugements sur certaines chaînes. Moi, je serais très déçue d'avoir ce genre de message, ce genre de comportement sur la chaîne. Donc, si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci, je vous force pas à rester. Aucun problème. Aucun problème. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, je vous mets en pause, je vais continuer un peu le noir toute seule et puis je vous remontre après ce que ça donne. À tout de suite. Alors, c'est re-moi. En fait, je vous reprends parce que je me souviens qu'on m'avait demandé ce que c'était. De poser les diamants en damier. Donc, tout simplement, c'est poser les diamants une case sur deux quand on a des grandes zones de la même couleur. Hop, donc là, comme je suis en train de faire du noir, vous voyez, j'ai posé un diamant sur deux. Hop. Donc là, c'est une zone de noir. Voilà. Donc tout simplement poser un diamant sur deux. Comme ça, en gros, après, il ne vous reste plus qu'à remplir les cases. Tout simplement. Tout simplement. Par contre, je risque d'avoir un petit souci de batterie. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo tout de suite avant de faire des bêtises. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Je suis ouverte à toutes les propositions de DP, hein, bien entendu. Propositions de vidéos que vous voudriez que je fasse, pourquoi pas essayer. Voilà, je vous souhaite de bons DP, de belles avancées.
Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, bye!